ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. Et il m'a dit, tu vois, moi, j'habitais dans ce village-là. J'avais ma femme, j'avais mes enfants, j'avais mes parents. Puis les Russes sont arrivés. D'abord, ils ont canonné le village. Ensuite, on a vu des oiseaux, des oiseaux en métal qui volaient, puis qui crachaient du feu. Et a dit, là, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants. Maintenant, je suis seul, alors j'ai pris les quelques bêtes que j'avais, puis je suis venu ici sur la montagne. Il parlait de cela, non pas comme quelqu'un de révolté, d'aigri, d'amer, de haineux. Il disait comme si c'était un fait de l'existence, une des tuiles qui vous tombe dessus. Et puis qu'il faut encaisser. Je m'étais dit, mais si la même chose m'était arrivée, mais je serais fou furieux. Et je lui ai demandé, mais vous avez défendu votre femme, vous avez défendu vos enfants. Il me dit, avec quoi